besoin de faire le plein avant de remonter en ville. Surtout que je vais avoir moins de raisons de revenir aussi souvent. Je vais remplacer Edith. Je vais demander conseil régulièrement. T'es pas trop déçu? Je comprends que j'ai pas les aptitudes qu'il faut. Que je puisse aller dans une usine que dans un bureau. T'es un artisan de talent, Antonin. Comme Bertrand. Ça veut pas dire que je veux pas faire d'argent. Ouais, t'en fais pas mal plus que la majorité des gars de ton âge, puis c'est pas fini. Maxime, il y a plein de projets. Là. T'as pas fini de grossir, la fromagerie Beauchamp. Il y a plein d'idées, c'est sûr. Vous ressemblez plus que tu penses. Ben, on a un bon point en commun en partant, en tout cas. Quoi? Ouais, les deux, on est amoureux de toi. Je veux plus que tu dises ça jamais, Antonin. Puis avec Julie, puis c'est ça qui est important, là. Non, je l'ai dit, Maxime. Maxime? Fais de l'effet ou j'ai rêvé ça? Là, je suis en amour avec Charles et Eric. Maxime vient de rencontrer quelqu'un. Ah ouais, qui ça? C'est pour une fille de Providence. T'as une idée que ça peut être toi? Marie! 25 000 qu'on a dit, hein? Ça peut attendre à demain. Regarde. Tant qu'être dans le coin, là. De toute façon, en taxi, c'est pas évident. Là, cela, je recommence à conduire, elle pourrait être dépannée. Non, pas vraiment. Elle est partie. Tu veux dire partie comme... Partie? Elle a su pour Valérie. Non. Comment ça? Edith s'est échappée. Elle pensait que Solange le savait, puis... Je me sens tellement tout croche, là. Tu savais ce que je donnerais pour être aussi fidèle que toi, moi? Tu te fais à manger depuis que Gisèle est plus là. Tout seul cuisiner, ça me dit rien. Saute pas de repas, quand même. Des fois, oui. Mais je m'en ressens pas. La semaine passée, je me suis acheté une caisse de bananes. C'est moins compliqué que de cuisiner des lasagnes, et puis c'est tout aussi nourrissant. Une semaine de bananes. C'est pas ce qu'on appelle un régime bien équilibré. T'es bas, eux autres. J'en ai bas. Ils sont pas de la même couleur. Ah oui. T'as remarqué ça, toi? T'as toujours été fier. Parce que je me suis habillé avant d'ouvrir mes rideaux. Tu m'inquiètes. On termine notre repas, puis on va faire un tour chez toi. Non, non, pourquoi? Non, t'es déjà sorti une fois aujourd'hui, là. Faut pas que tu te fatigues. Je veux voir comment tu vis, Robert. Et puis, comme j'ai annulé un rendez-vous galant pour m'occuper de toi, tu me refuseras pas. Un rendez-vous galant? Avec qui? Mange donc.